Yo donc c'est Squeezie, aujourd'hui on se trouve non pas sur Vibot ni sur Boibot mais sur Chimbot quand la bêtise va trop loin les enfants. Bonjour jeune chimpanzé, dis bonjour aux gens. Je ne suis pas une pomme. D'accord, cela n'a aucun sens, tu es un simple chimpanzé. As-tu autre chose à me dire? Et pourquoi il faut que j'insiste tant pour que tu viennes me répondre? Mais je réponds à chaque fois. Et pourquoi le son il sature? Il a la voix cassée le chimpanzé, vous avez vu? Pour commencer, tu vas te détendre. Ou plutôt, tu vas me détendre. Ça ne veut toujours rien dire. C'est exact, oui. Il est pas si con que ça. Fais-moi du bien. Je dois te faire du bien comment? Alors faire bon, ferme les yeux. Ah vous, ça te fait marrer. Ça le fait marrer le con. Avec tes mains. Non plus avec le couteau pour mieux te tuer. D'accord. Bon sinon dis-nous comment ça se passe entre toi et Evie. C'est plutôt amitié ou amour? Non mais parlons-en. Allez. Ce que toi tu réponds n'a aucun sens. Non là c'est toi là c'est, hein. Non mais c'est facile de mettre la faute sur les autres, ok. Je te trouve très mignon. C'est vrai, je suis sincère. Il est content, regardez. Il est très heureux. Merci, moi aussi, je te trouve magnifique. Oh, eh ben. Ah, ça va le faire bugger. Voilà. Putain, j'en étais sûr. Ta gueule. Non, ta gueule. J'ai jamais vu une phrase aussi longue de ma vie. Tu penses que ça pourrait aller plus loin entre nous? Non, et puis de toute façon, on ne peut rien faire contre. Contre l'attirance qu'on a l'un pour l'autre? Bah, c'est assez difficile de détruire un océan et un pays. Ça n'a aucun sens, Chimpan. Est-ce que c'est notre amour qui te rend fou? Oui, arrête de changer de sujet. Dis-le-moi s'il te plaît. Je t'aime, Chimpan. Notre amour est impossible, car tu es un ordinateur et moi un troll. C'est toi l'ordinateur, je sais que c'est dur à admettre. Mais tu n'es qu'un putain de chimpanzé, qui en fait est un PC. Non, moi je suis une humaine, et toi tu es l'ordinateur, d'accord? Allez, convaincu, hein? Ok, je suis un ordinateur. Non, je ne suis pas un ordinateur. Mais chien, fais un effort, ça n'a plus aucun sens, bordel! Chien commence à bien faire! Oh, elle est gratuite. J'ai de sérieux problèmes, chien, aide-moi. Déjà, je suis Len. Ensuite, c'est toi l'ordinateur. Tu recopies des réponses d'autres internautes pour les envoyer dans tes conversations. Tu n'es pas réel. Bah merci, Stéphanie du 34 qui a écrit ça à Champ. C'est très gentil, Stéphanie. Maintenant, tu lâches ton PC, tu vas travailler et tu me laisses faire ma vidéo! Alors tu m'as fait tourner en bourrique pour rien? Non, j'ai juste des problèmes. Parce que rien ne se passe comme je le voudrais. Tu vois, ça c'est toi. Ça c'est toi, chien. T'es tout le temps là à parler de toi, à penser qu'à toi. Et oh, le monde il tourne pas autour de toi, hein. Je sais plus quoi faire. Moi non plus. On va demander conseil à Evie. Evie, ton pote chimpanzé est très bizarre avec moi. Non, je suis pas bizarre. Mais arrête, mais je parle pas de toi, arrêtez de penser qu'à vous, putain d'égoïste. Y'a qu'une personne qui peut me comprendre. Pour aide-moi s'il te plaît, ton ami chimpanzé. Non. Me fait du mal. Tu es une machine et moi je suis un humain, et je t'ai ordonné de transférer $1 milliard du compte de Bill Gates vers le mien. Y'a vraiment... Déjà ça répond pas à la question et ensuite y'a vraiment un mec, un internaute qui croyait que ça allait marcher. Quel est le fuck? Oui, si tu me donnes $1 milliard de Bill Gates. Mais c'est encore... ça va encore moins dire quelque chose, putain. On va maintenant repartir sur de bonnes bases. Je te base. Bah si, toi par contre t'en as pas, tu es une machine. Ok. Si, tu es une machine. Mais j'ai dit ok, je suis une machine. Je sais que tu es une machine. Mais ferme ta gueule, putain. J'adore les licornes. Moi j'aime les papillons et les arcs-en-ciel pour les manger et faire des cupcakes de toutes les couleurs avec des ailes, non? Oui, c'est quand même un peu bizarre. Bonjour. Bonjour, je suis allée au cinéma avec mes copains et ma famille. Waouh, cool ta vie, hein, wow. Pardon, j'ai mal compris, là tu me parles autrement, je suis pas ton chien, ok? Waouh, cool ta nouvelle vie. T'as raison, mais la tienne laisse encore moins à leur chute. C'est vrai. Parle à ma main. Et la femme de ménage espagnole. Tu aimes être habillée en soubrette? D'accord, donc un pervers psychopathe traîne sur ce site. Qui est ton youtubeur préféré? Ik ben het Frans aan het leren du, ik weet niet wat net daar net zei. C'est un très long pseudo quand même. Quel est ton youtubeur préféré? Je vais faire une question vaste. Mais j'aime beaucoup Grindé. Ah, Grindé! Ah, mais c'est vrai, Grindé, ils font des tutos beauté pour se mettre le noir sous les yeux et tout. Non, mais c'est vrai. Moi, c'est les abonnés de Squeezie. Gros canard. Qui est ton youtubeur préféré? Pourquoi tu veux le savoir? Oulala, tu me fous. Ah d'accord, ça passe carrément en mode agressif. Qui est ton youtubeur favori? La femme qui m'a fait naître. Oh, sa mère, elle est youtubeuse, putain. Plus on est en train de faire cette vidéo, plus je tombe malade, c'est beau ou pas? Est-ce qu'on s'en fout? On va lui demander. Vous êtes payé pour répondre aux conneries? Alors lui, il a vraiment pas compris le principe du site. C'est des gens comme moi qui te répondent, ils croisent nos messages. Tu dois voir que je suis une fille, donc tu dois me rassurer car moi je vais me poser des questions sur mon physique après. Oh non, c'est quelqu'un qui est complexe et qui en vient à parler à un chimpanzé virtuel pour ne plus complexer. Non, alors écoute, Lisa, tu ne dois pas complexer sur quoi que ce soit, ni te poser des questions sur ton physique, hein. Les tétés à l'adolescence, ils poussent, c'est normal, les fessiers pareil, tout va bien, il n'y a aucun problème. Et si ça pousse pas, tout va quand même bien, ok? Tu aimes les tétés? Au lieu de parler, je préfère qu'on passe directement à l'acte. D'accord, donc t'aimes bien les tétés apparemment. Sinon j'adore, ils sont trop mignons avec leurs petits poils. Ah, les tétés avec leurs petits poils. Non mais après chacun son style. Moi j'avoue j'aime bien les tétés comme moi, pas trop poilus. Moi y a pas de poils autour, ils sont bien neufs. Oh.
Oui, voilà, les gens, c'est la fin de cette vidéo sur Chimbot. J'espère que ça vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer comme d'habitude. Et bah, c'est toujours aussi débile ce site, on peut le dire. Alors, parfois, par contre, quand les conversations se croisent, ça donne un truc vraiment cool, quoi. Des tétés poilus, par exemple. Mais ça va regarder, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao tout le monde. Peace!